Un accord de principe entre Luis Enrique et le PSG. Comment tu peux avoir un accord de principe avec un club qui n'a pas de principe? Expliquez-moi, je comprends. Un accord de principe entre Luis Enrique et le PSG. Comment tu peux avoir un accord de principe avec un club qui n'a pas de principe? Expliquez-moi, je comprends. Un accord de principe entre. Rien de pire, t'es en couple avec une meuf, c'est le début de la relation. Tu vas à la plage avec elle, d'un coup tu te retournes, tu vois, elle a enlevé le haut de son maillot, wesh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu enlèves le haut de ton maillot? Wesh, bronze, quoi tu bronzes? Il y a tout le monde qui voit tes nibards là, wesh. C'est plus open bar, c'est open nibard. Voilà, tout le monde voit tes nibards. Oh, comment ça tu te mets à poil là? Wesh, ça fait 6 mois que je te demande un nude, tu veux pas? Ça fait 6 mois que je veux voir tes nichons, tu veux pas? Et là, t'arrives à la plage, il y a tout le monde qui voit tes nichons avant moi! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, eux? Moi, pour voir tes nichons, j'ai été gentil. Je t'ai amené au restaurant. On a fait des nuits blanches au téléphone. Toute la nuit, j'ai écouté tes histoires de merde. J'ai écouté les histoires de ton ex, le T-Rex, le bâtard. Et à la fin, il y a tout le monde qui voit tes nichons en même temps que moi. C'est scandaleux. Je suis désolé, c'est pas normal. Voilà. Moi, j'accepte pas. Voilà. Surtout la meuf, elle est là. Non, moi, je te montre pas mes nichons, moi. Non, pas de suite. Hein. Pas la première année, d'accord? Hein, on se connaît à peine. D'abord, tu présentes tes parents et après, ouais, j'ai eu. Meuf normale, elle enlève le haut de son maillot. Qu'est-ce que tu fais? Je bronze. Moi aussi, la prochaine fois, je vais enlever mon maillot, sortir mon zboob. Hey, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je vais faire du paddle. Ouais. Je vais pagayer avec mon zboob. Cette race de clochards qui sévit sur les plages. Il y a des mecs qui vont à la plage, pas pour nager, pas pour bronzer, mais que pour pécho de la meuf. Et comment tu reconnais ces mecs-là? Ils vont à la plage sans serviette. Voilà. Tu les vois, les mecs qui n'ont pas de serviette. Ils sont à la plage que pour pécho. Le mec, il est tout tanké. Il a mis plein de monoï sur lui pour briller avec un mini short. Il bouge pas. Tout musclé comme ça. Il serre les abdos et il regarde. Voilà. Son corps, il bouge pas. Il n'y a que sa tête qui bouge. Comme ça. Voilà. Le mec, c'est un maître nageur. Voilà. Il fait le même job que le maître nageur, mais il n'est pas payé. Voilà, il est à la plage toute la journée. Ta grand-mère va te baigner, il fait chaud. Il fait 45 degrés. Va t'hydrater, bâtard. Tu me donnes chaud. Voilà. Les mecs comme ça, les maîtres nageurs là, qui n'ont pas de serviette, je sais pas, moi, va te poser. Va faire une douche comme les meufs. Fais un truc. C'est incroyable ça. Voilà que c'est un truc de fou. Attention les meufs. Hein. Quand vous croisez un mec à la plage, regardez s'il a une serviette. Au moins, vous savez s'il est venu pour baiser ou pour nager. Vous le savez direct. Elle enlève le haut de son maillot sans pression. Tout le monde voit ses nichons. Tu lui fais une remarque et te dis, bon bébé, je bronze. Hey, tu te soucies trop du regard des gens. Oui! Je me soucie du regard des gens. Tu veux que je me soucie du regard de qui? Des méduses. Voilà. Je m'en bats les couilles que les méduses voient tes nichons. C'est incroyable ça. Faut arrêter. Faut arrêter de te soucier du regard des gens. Non! Je me soucie du regard de qui? Des crabes. Voilà, oui, je me soucie du regard des gens. Et du regard de gens. Gens qui te regardent là, j'en ai marre. J'en ai marre de gens qui te regardent. Sans les gars, c'est simple. Si c'est pas avec ma voiture, je vais plus à la plage. Ne jamais partir à la plage avec la voiture d'un autre. C'est lui qui a le pouvoir. Il va te faire la misère. Voilà. Juste pour la scène de la fin de la plage. Tu rentres dans la voiture, il te dit quoi? Non, stop! Faut voir tes pieds. Je t'enlève le sable des pieds. Voilà. Comme si tu avais 7 ans, 8 ans, comme un enfant. T'es là, t'es un père de famille. Tu lèves tes pieds, ils prennent une bouteille d'eau. Avec l'eau, il y a de l'essence dedans. Il y avait de l'essence dedans, elle pue encore l'essence la bouteille. Il te met de l'eau sur les pieds. Vas-y, lève ton slip, t'as du sable dans les fesses. Vas-y, c'est trop la honte, voilà. Non, ça y est, c'est fini ça. Hey, la scène de la bouteille d'eau à la fin de la plage, moi je peux plus les gars. Les hagards comme ça là. Hey, personne rentre, hein. Pendant, je vous essuie les pieds avant. Voilà, c'est la honte. Attention les meufs, il n'y a pas plus vicieux qu'un mec. Il y a des mecs qui sont en couple avec une meuf et ils sont timides. Ils n'osent pas toucher la meuf. Alors ils font quoi? Ils disent quoi à la meuf? Eh bébé, tes nichons, c'est des vrais? Quoi? C'est des vrais? T'es sûr? Ils sont authentiques. T'as jamais rien touché. Quoi? Je peux toucher? Oui? T'es sûr que je peux toucher? Pouet pouet. Ah ouais? Ouais, effectivement, ouais, c'est des vrais. Ouais. Pouet pouet. Et ton vagin, c'est un vrai? Oui, je peux toucher. Je comprends pas. Il y a des meufs, tu leur dis, envoie une photo de toi en sous-vêtements. Quoi? Ça va pas? Je suis pas comme ça. Mais t'es malade. Ça, c'est privé. Ça te regarde pas. Tu lui dis, envoie une photo de toi en maillot de bain, elle te l'envoie. Voilà. C'est la même chose. La vie de ma mère. Sous-vêtements, maillot de bain, c'est la même chose. Sous-vêtements, elle te dit non. Maillot de bain, vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de problème. Tu veux que j'enlève le haut du maillot aussi? Pas de souci. Je préviens, les gars.
je vois qu'il n'y a aucun entraîneur qui veut venir à l'OM. Le message, il est clair. Je m'adresse à tous les entraîneurs de la planète. Le train de l'Olympique de Marseille, il passe qu'une seule fois. Enfin, le train, le tramway. Le tramway de Marseille, il passe qu'une seule fois. Ce qu'on dit non, là, en début de mercato, c'est le mercatar. Ça sera trop tard. Faudra pas revenir après. Parce que je vous le dis, les gars, il y a plein d'entraîneurs, ils ont dit non à l'OM parce qu'ils pensent qu'ils vont finir à Madrid, là, pendant l'été. Je vous le dis, faudra pas revenir, hein. Il y a aussi une chose, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent non à l'OM parce qu'on est très exigeant à Marseille. Ils savent qu'ici, ils ne pourront pas se reposer. Ils savent qu'ici, il y a une forte pression, qu'on attend des résultats. Voilà pourquoi ils ne veulent pas aussi. Ils ont peur du défi. Pourquoi les entraîneurs ils disent oui au PSG, les joueurs? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller là-bas et chômer, rien faire. Ils savent qu'à Marseille, ils vont devoir se bouger. C'est pour... Soit, ainsi soit-il, il n'en est pas outre. J'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe opposé à moi avec un consentement mutuel, ouais. Ouais. Soit. Prends pas Pablo Longoria. Soit, ainsi soit-il, il en est pas outre. Prends pas Pablo Longoria. Il prend l'avion, il va jusqu'en Amérique du Sud pour que l'entraîneur il lui dise merci d'être venu. Ça sera non. Wesh. Il peut pas le dire au téléphone, l'entraîneur. Il fait que voyager, Longoria, miskin. Oula, il a fait les quatre coins de la planète. Il a fait le Vendée Globe. Oula, les gars. Il va voir les entraîneurs au bout du monde pour qu'ils lui disent « Ouais, non, ça sera non. » Finalement, non, wesh, envoie un texto, envoie un DM sur Instagram. Le pauvre Pablo Longoria. T'inquiète, t'inquiète, Longo. On va le trouver. C'est long, c'est long. L'OM trouve pas d'entraîneur. Personne veut entraîner l'OM. Eh oh, j'existe. Eh oh, je suis là. J'ai tout mon temps libre. Les gars, moi, je me porte volontaire. Je vous dis la vérité, les gars. J'ai pas de formation. Mais j'ai le cœur, j'ai le corazon, les gars. Et c'est le plus important, je pense. Il faut un mec d'ici, un mec qui connaît le club, un mec qui connaît l'histoire, un mec qui saura parler aux joueurs, les gars. Et je pense être la bonne personne sur la vie de ma mère. Bon, après, il y aura du ménage, hein. Il y aura de la jet, paillettes au régime, voilà. Privé de cantine, paillettes, Balerdi, dehors. Vitinha, dehors. Paul Lopez, dehors. Tavares, dehors. Il va rester qui après, les gars? C'est ça le problème aussi, voilà. C'est ça le problème, j'ai peur de virer tout le monde. Après, je pense que ce problème serait une solution, parce que moi, j'irai chercher des joueurs chez les jeunes. Chez les jeunes, jamais on sort des joueurs du centre de formation. Même dans les quartiers nord de Marseille, j'y vais, moi, les gars. Grave quand même, les gars, à moins d'un mois de la reprise, on n'a pas d'entraîneur. Les gars, c'est pas normal. C'est l'Olympique de Marseille. Même Gilles Bâtard, ils ont un entraîneur, les gars. Même Saint-Marin. Mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs là sans entraîneur? Ils font quoi à l'entraînement? Ils arrivent. Allez les gars, prenez un ballon, faites un match. Allez, faites un match pendant 3 heures là, vas-y. Allez-y, amusez-vous. Allez, faites des passes, faites des jongles. Ouais, faites un match. Faites un match. Voilà les gars, qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? T'as Sanchez, il est là, vas-y. Balerdi, va au cage, je te fais des frappes. Vas-y, je te fais des frappes. Alors après, on fait un tennis ballon. Et après, on fait un crame cul, les gars. C'est bon, on fait un crame cul. Wesh, oula. Non, chaud, chaud, les gars. C'est inédit. Moi, je pense pas qu'ils aiment pas l'OM, qu'ils veulent pas entraîner l'OM. Je pense que c'est trop de pression pour eux. Oula. La vie de ma mère, ils aiment pas les défis. Parce que l'entraîneur qui va venir à Marseille, il sait qu'il a une mission. Donc, il y en a plein qui ont peur. Il y en a plein qui veulent pas trop se bouger, les gars. C'est juste ça.